L'Institut africain de management est un business school créé il y a 10 ans. Nous formons des étudiants en diplôme, en DUT Bac plus 2, en bachelor, en licence professionnelle, en master et en doctorat. Nous avons à notre sein plus d'une vingtaine de filières, toutes reconnues par le CAMES, une salle de sport, une salle de jeu, un terrain de basket et puis des toilettes vraiment 5 étoiles. Le FONI aujourd'hui, qui est le festival Ouaga New York, est une initiative à encourager. Le FONI met un des initiatives Ouaga. Cette année, nous avons plus de 17 nationalités appelées à présenter les cultures de son pays. L'initiative qu'est le FONI, nous sommes toujours partants pour accompagner tout ce qui veut. Le festival Ouaga New York est une initiative à encourager. Le FONI met un des projecteurs sur notre pays à travers la culture. Et nous, qui avons 17 nationalités à notre sein et qui magnifions l'Afrique chaque année à travers des activités culturelles, nous devons être présents pour apporter notre soutien à cette initiative louable. Cette année, nous avons plus de 17 nationalités et nous magnifions la culture africaine chaque année par la journée de l'intégration africaine, où chaque pays est appelé à présenter les cultures de son pays. Nous ne pouvons pas, en tant qu'Africains, magnifiant l'Afrique chaque année, ne pas soutenir cette belle initiative qu'est le FONI. Nous sommes toujours partants pour accompagner tous ceux qui veulent magnifier l'Afrique, surtout le Burkina Faso. La manifestation de FONI permet d'attirer les projecteurs sur le Burkina Faso et qui parle d'investisseurs dit création d'emplois. IAM étant le creuset des cadres compétents, nous ne pouvons que bénéficier de cet afflux d'investisseurs au niveau de notre pays.